C'est drôle parce qu'un des premiers articles des Chicken Soy, il avait fait la première partie de Jean-Marc Parent, juste pour rire. Puis le monde, il disait les nouveaux Rock et Belles Oreilles. Ouais. Fait que toute la... J'avais découvert ça, puis je fais, c'est drôle comment que les journalistes, on cherche toujours une espèce de... Ouais, c'est ça, quelqu'un à comparer. Quelqu'un à comparer. Ouais. Tu sais, comme toi, je sais que t'as souvent parlé d'être ouais. comparé avec Mike, mais c'est parce que tu fais un style d'humour qui est quand même edgy, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Que par certaines personnes, tu sais, t'as un podcast, Mike, un podcast, tu comprends ça, on est dans ces années-là. Beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. Ouais. Beaucoup de similitudes. Ouais. Mais c'est qu'on cherche, on a besoin, ouais. tu sais, mettons, moi, là, je capote sur Jer Alain, mais je veux le décrire à quelqu'un. Ouais. En un mot, je vais faire, mais si t'aimes Mike Ward, techniquement. Tu vas pas mal aimer ça. Tu vas. T'sais, des bonnes chances, t'aimes ça. T'sais, ouais. C'est comme c'est niaiseux, mais t'sais, Pierre Hébert a fait beaucoup de choses avec Phil Laprise. Mm-hmm. Mais t'sais, moi, j'aurais pas de misère à dire, hey, si t'aimes ça, Phil Laprise, mettons que la personne le connaît pas, là, t'sais. Ouais. Je vais dire, hey, t'as-tu vu Pierre Hébert? Oui. T'as-tu aimé ça? Oui, ben, va voir Philippe. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il y a des univers ouais. qui peuvent, tu sais, avec ouais. la vie qui a duré ouais, comme 7 ans. Mais dude, moi, là, ça me faisait chier en tabarnak. Oui, mais c'est là, que les humains ont besoin. Que ça me faisait de quoi? Puis j'avais oublié qu'on me comparait beaucoup. Parce que le monde a pas mal arrêté. Oui, mais les gens ont arrêté parce que là, c'est clair qu'il était. Mais en début, ouais. on cherche quelque chose. Mais, les Chicken Swell, ouais. ils faisaient. C'est un groupe, mm-hmm. ils font des sketchs. Ouais. Rock et Belles Oreilles.